C'est vrai ça? C'est quoi ce bouquin? À quoi il va ressembler? Qui chante sur le CD? Alors tout d'abord, quelques mots sur l'équipe dont chaque membre est un dingue de musique. Fred Le Faller est l'illustrateur. Enseignant en art appliqué à Aurillac, il est aussi graphiste dans le milieu rock. L'éditeur est Pierre Croux qui a monté la maison d'édition Baliverne avec son épouse en 2004 après avoir travaillé dans les jeux vidéo. Philippe Gelmoni, lui, travaille dans l'éducation nationale et a monté le groupe La Bande à Gaston qui interprète les chansons du CD de cet ouvrage. Vous avez pas vu Mirza? Vous avez pas vu Mirza? Oh là 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 là. Le livre est donc une biographie illustrée pour la jeunesse, mêlant la vie de Nino Ferrer à ses chansons via des petites anecdotes racontant la jeunesse de certaines d'entre elles. Sur le CD, la bande à Gaston a fait intervenir plusieurs de ses amis en guest. Et vous trouverez donc Emma Domas, Adrienne Poli, Ignatius, Klaus Blaskis, Merlot, Emilien Charlotte, Benoît Dorémus, Michel Vinogradoff, Luc Alenvers, Claude Egea, Erwan Roux, Camille Bazbaz, Alain Yvon Guillard, Yann Benoît, Vincent Turquoise-Chavagnac. Et pour terminer, nous avons noué un partenariat avec l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle, parrainée par Emma Domas. 1 euro de chaque contribution de ce crowdfunding sera reversé à l'association et quand le livre sera en magasin, 50 centimes seront reversés à l'association pour chaque ouvrage vendu. Non, non, je ne le répéterai pas.